Yo les amis, c'est Faker, j'espère que vous avez la forme et on se retrouve sur ce Resident Evil Village toujours aussi incroyable. Et dans cet épisode, je pense qu'on va aller s'attaquer à Heisenberg, le dernier noble qui nous reste sur la route, après avoir battu Lady Dimitrescu, Donna Beneviento, la poupée maléfique et Moro. On va aller sur le territoire d'Heisenberg, celui qui s'occupe des licornes visiblement. Et comme il dit, le spectacle doit continuer, alors allons-y, c'est parti. Alors si vous avez manqué l'épisode dernier, hein, je vous montrais comment récupérer pas mal de trésors. Donc n'hésitez pas à aller le voir, franchement c'était cool parce qu'on a récupéré pas mal de trucs. Comme le Magnum, je pense qu'il va nous être pas mal utile. Alors bien sûr on utilise la clé à 6 ailes. Plus le fœtus, putain c'était une porte que... Ça c'était une porte que dès le premier épisode on l'a vu cette porte-là, mais on pouvait pas y aller. Et là, genre, je sais pas, ça fait combien, 8, 9 épisodes déjà, on peut enfin y aller. Good luck, bonne chance. Oh, c'est bien trop sympa. Alors tout droit ou par là? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai envie de dire par là. J'ai envie de dire par là dans un premier temps. Waouh. Ah ouais. Ah, c'est une grosse bâtisse. La scierie. Ah d'ailleurs il y a un petit coffre à récupérer. Oh des petits ossements. Là je vois un truc qui pète. La scierie. Ah c'est verrouillé de l'autre côté. Ok. Tiens il n'y aurait pas des petits poissons. Alors vous avez vu dans pareil hein, dans l'épisode dernier, il y a pas mal d'objets à de barils hein, à exploser, c'est bizarre. Je suis un peu en galère au niveau de l'inventaire. En fait, il est vraiment plein. Je peux vous le montrer, regardez. Voilà. En fait, on a tellement d'armes. Ça prend beaucoup de place. Et du coup, bah, j'ai quasiment plus de place. Et je peux plus l'augmenter parce que j'ai déjà payé les deux améliorations avec le duc. Donc c'est un peu la galère, si tu veux ce que je veux dire. Paf! Oh, un cochon. Ouais, je suis pas radin en munitions là parce que, comme je te dis, je suis tellement en galère de. Tu vois, ça m'a encore pris une. Ça m'a encore pris un emplacement. Une mine. Alors, normalement, ça peut se stacker donc ça va. Tu vois, y a genre les mines elles vont se stacker les unes les autres, les grenades aussi, mais il suffit là comme là. C'était quoi ce cri là? Ça va pas non? Oula. Ah ouais d'accord. Ah ouais super. Ouais donc Heisenberg c'était le mec qui nous a mis la pression dès le début là. What? Mais il est balèze. C'est quoi ce mec? Ah mais là il va falloir qu'on passe aux choses sérieuses. Là. Je vais lui caler quelques mines dans les fesses à lui là. Oh oh, je crois qu'il m'a vu. Oh putain. Oh putain. Allez, une dans ta tête déjà. Viens par là. Viens par là. Allez, deuxième. Petite grenade. Oh 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 oh. Oh purée. Il va falloir sa tête à lui là. Oh, pas de trop près quand même. Ouais. Ah oh, ouais il est balèze. Prendre le flingue, on va lui tirer dessus comme ça hein. Moi où il appelle des gens là. Il a sauté? Oh putain il a sauté. Il a appelé des renforts cet enfoiré. Putain je les aime pas eux là en plus. Wow wow wow. Wow oh. Wow oh, oh non. Oh purée. Allez m'a fait mal.
Ah, lui m'a fait mal là. Oh lolo lolo. Ah, faut que je remette des mines parce que. Ah, par contre, ça prend. Ah, il me stresse. Hey, il arrive vite, il arrive vite, il arrive vite. Faut pas que je me fasse avoir. Oh putain, il court en plus. Alors quand il court, laisse tomber. Wow. Ah oui, il m'a fait super mal. Putain, il est chaud. Hein. Oh lolo, et il est déterminé. Est-ce que je prendrais pas peut-être ça? Il est énorme. Il est vraiment énorme. Il faut que je recale des mines, hein. C'est pas possible. Oh, je vais la faire péter dessus là. Là c'est bon. Si je mets quelques coups de. Ça fait mal ça normalement. Il détruit tout quoi. Normalement ça fait mal ça. Putain, j'ai l'impression qu'il sent rien. J'ai l'impression qu'il sent rien du tout cet enfoiré. Oh putain, il saute. Oh la vache. Attends, on va reprendre le lance-grenade. Merde. Recharger. Il est galère. Hop. C'est bon là. Oh merde. Oh putain. Il est un peu faibli, t'as vu, il est un peu. Je crois qu'il est très énervé là. Oh la vache. Il me donne de la ferraille et tout, mais. Oh, il va sauter là. Ça, il va sauter. Il est très vénère là. Oh la vache. Putain, qu'est-ce qu'il s'en prend dans la gueule? Ça lui fait rien du tout. Ah voilà, je vais avoir de la place dans les munitions. Oh putain. Ah, j'ai plus de balles. J'étais en train de tirer comme un canard. Ah bah là, du coup, ça va me faire de la place. Hein. Putain, laisse tomber. Attends. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, je peux peut-être confectionner quelques grenades aveuglantes, on s'en fout. Peut-être faut que je lui mette des mines de partout en fait. Là, hop. Déjà ça, il va se la prendre dans la tronche. Oh la vache, il est ultra résistant. Il est vraiment ultra résistant cet enfoiré là. Ah, ça y est, il est mort. Mais non. Ça y est. Oh là là. Il m'a lâché quoi? Une grande hache cristallisée. Oh purée. Eh bah, dis donc. Eh bah, c'était un vénère lui. Hein. Je sais pas c'était quoi comme monstre, mais laisse tomber le bordel. Et j'ai plus rien. J'ai plus de munitions. Je sais pas si c'était la bonne idée de me taper contre lui avant de voir Mr. Heisenberg là. Mais dis donc, comment il était résistant? Vous avez vu toutes les mines qu'il s'est pris quand même? C'est dingue. Hop. Ah ouais. Ah donc là il y a toute la viande, des plantes, ok. Du poisson. Ah ouais, donc là vraiment on va pouvoir se. Entre guillemets se refaire et un trésor. Ok. Poudre noire. Les munitions de fusil. Donc là on va vraiment pouvoir se refaire en fait. Alors qu'est-ce que c'est? L'ange de Nicolas. L'ange de Nicolas. Fais-moi voir c'est quoi l'ange de Nicolas là. Hop, objet de grande valeur. Ok, on va se faire pas mal d'argent je pense. Du coup ça c'est cool. On va pouvoir ouvrir ça. Alors j'ai pas pris la viande parce que. Ah d'accord, ok.
Donc j'ai pas pris, donc c'est vraiment un emplacement du trésor. Ok. Donc j'ai pas encore pris la viande parce que. Parce que du coup, bah ouais. Non mais je vais pouvoir la prendre, je pense, hein. Volaille. Parce que normalement ça va se stacker. Poisson, j'en avais déjà. Rassure-moi, il est là le poisson. Ouais. Ouais, donc là, vraiment c'est cool parce qu'en fait c'est un endroit où tu vas pouvoir. On va récupérer un max d'ingrédients pour. Tiens, il y a un truc qui explique. Le 8 juillet, c'est l'anniversaire de ce sympathique marchand. C'est aujourd'hui que ce sympathique marchand nous rend visite. Il me donne toujours des vieux journaux. Je sais que Miranda les interdit, mais les nouvelles du monde extérieur sont toujours si fascinantes. D'ailleurs, quelque chose a piqué ma curiosité. Dans le dernier, c'était un article à propos d'une société qui fabrique des médicaments. Je ne me souviens plus de son nom. Bah, c'est Umbrella, mais son logo m'a semblé familier. Il y avait le même symbole sur le calice des géants, et je suis persuadé de l'avoir vu aussi sur les murs de la grotte. Le symbole m'a toujours fait penser à une parapluie, clairement Umbrella. Mais comment ça veut-il que ce soit devenu l'emblème d'une société si étrange? Mais c'est d'une société étrangère. C'est clair, parce que là on est quand même en Moldavie, en Europe, c'est chelou. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec cet homme qui a séjourné ici il y a bien longtemps. C'est qui a séjourné ici il y a bien longtemps? Putain, ça se trouve c'est Chris. Chris Redfield. Je vais refaire un petit tour quand même dans le. Dans la scierie là, tiens, des pièges détachés. Histoire de voir si j'ai rien oublié. Ouais, c'est encore rouge donc j'ai dû oublier des petits trucs à droite à gauche. En plus là. Ah, le combat il était dardard. Hein. Putain, j'ai utilisé toutes mes mines, j'ai utilisé v'là les munitions de ouf. J'ai plus rien. C'est la grosse daube. Enfin, j'ai plus rien. J'exagère. Je suis Marseillais un peu là, je crois. Ah tac. Et là, non, toujours rouge. Ah, je sais pas, j'ai dû laisser. Ah, peut-être là. Et là. Ah, c'est bon, c'est bleu. Ah, c'est quand c'est bleu, c'est bon. C'est quand c'est bleu, c'est que t'as tout vu. Donc c'est pas mal. Par contre, je pense qu'au niveau de l'inventaire, je suis blindé. Il me reste plus que 3 emplacements. Chaud, chaud, chaud. Hein. Chaud, chaud, chaud. Ouais, clairement, c'est la merde. Il n'y aurait pas des poissons. Mais non, j'entends des bruits là. Ah les salauds. Oh là, il y a du monde là. Putain, il y a du monde de ouf. Attends. Quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça. Ah ouais, bah là, oui. Hein. Putain, il me laisse pas passer. Et puis toi, bah. Alors c'est cool, parce que. Bim, voilà, toi c'est fait. Ouais, je disais c'est cool, c'est que j'ai pu améliorer pas mal de trucs. J'ai pris une amé. Attends, on va les péter, ça veut dire que ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Tiens, on peut pas aller là-dessous là? Ah, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un truc. Voilà, évidemment. Ah, une petite chèvre. Ok. Merde. Il disait que si tu les pétais toutes, tu déclenches la colère de Miranda. Mais t'imagines, genre, à un moment donné, je sais pas, tu pètes la dernière et d'un seul coup, tu reçois une armée de lycans sur toi ou je sais pas quoi. Ah, ça serait chaud. Hein. Parce que du coup, j'en ai pété pas mal en plus. Je sais pas si j'ai tout su, je pense pas. Hein. Mais bon. J'en ai pépé. En tout cas, à chaque fois que j'en ai vu des petites chèvres, je les ai pétées. Hein. Je me suis pas dit. On va faire gaffe. Good luck. Bah ouais, good luck. Attends, par contre, je suis assez. Oh non, ça va, je suis. Oh, par contre, là, niveau. Ouais, je vais faire des balles de fusil. Et je vais faire. Ouais, je vais faire quand même ça. Hein. Parce qu'en vrai, les balles de fusil, ça va être utile. Clac. Ouais, tu vois, j'ai. Oh putain! Il m'attaque! Sérieusement? Putain, ça me fait flipper! Putain, il m'a attaqué cet enfoiré! Oh, on arrive sur le. Putain, il y a. Ah ouais, bah c'est clairement le territoire des Lycans ici, hein, parce qu'Heisenberg, c'est un peu lui le boss des Lycans. Hein. Donc, les gars, là, j'espère que vous êtes prêts parce que. On va se taper contre des loups-garous dans cet épisode, hein.
Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Wow. Wow, wow, wow. Ah ouais. Oh, on va utiliser le fusil, tiens. On va utiliser le fusil un peu là. On va pas trop utiliser. Faut en profiter. Un peu à la Warzone, tu vois. Ah, mes heures perdues. Je joue effectivement à Warzone. Je sais pas si je vous ai déjà dit, je crois pas. Enfin, il est vivant lui. Ah oui, il est balèze lui. Putain. Oh, raté. Merde, faut que je recharge. Allez, dégage. Oh. Allez, rechargement très très long le fusil. C'est vrai que j'ai pas trop amélioré le fusil. Hop, le petit headshot qui va bien. Mais lui, il est énorme lui. Vraiment. Lui, je crois qu'il va me sauter dessus, ça va être chaud en fait. On va voir, attends, je lui mets une balle ou pas? Je lui mets une... Ah non, ça va. Non, ça va, en fait, il avait l'air balèze, mais il est comme les autres en fait. Bon, attends. Là, il y en a beaucoup, hein. Oh merde. Il m'a chopé. On la dégage. Bim. Sa tête elle a pété. J'ai mal dans la tête, elle explose, ça c'est stylé. Bim. Faut viser la tête mais c'est pas facile hein. Oh putain, j'ai cru qu'il était mort. C'est bon ça, c'est fini là. Ouh. Je suis comment au niveau de la vie? Je suis pas ouf hein. Ah ouais, je suis pas ouf ouf. Tu vas prendre ça. Voilà. Il ne reste plus qu'une balle de ce fusil là. On va la terminer je pense et puis... Ah je peux en faire. Ouais, parce que en vrai le fusil c'est trop bien contre les... Contre les lycans je trouve. Comme c'est des mecs qui attaquent au corps à corps. Et ils sont assez gros. Ah ouais. Oh putain ils tirent des flèches. Et puis moi je disais ouais ils attaquent au corps à corps. Et ça ils sont là avec leurs flèches. Merde. Ah l'enfoiré. Voilà, hop. Salaud. En plus je venais de dire putain ils attaquent au corps à corps. Allez mec ça y est, ils me lancent des flèches. Je rêve, il y a des archers. Ouf. Putain j'esquive. Putain les golas tu te calmes. Wow. Ça y est. Ouais c'est bon. Putain, ils utilisent des flèches, ils sont évolués, hein, ces délicants. Délicants plus plus. Hein. Une mine. Un petit peu d'argent, ça fait du bien. Toujours bon à prendre. C'est par ici. En tout cas, putain, c'est joli. Hein. On est dans les ruines. Lalalal. Wow. Attends, bah alors là. Bim, ça c'est fait. Putain, les mecs, y'en a partout. Ah ouais, c'est en mode. Il a perdu son arc. Hop. Oh putain. Il me reste plus qu'une balle de ce fusil là en tout cas. Putain, y'en a une qui me tire des flèches. Oh, pas mal l'esquive, il est chaud. Merde. Hop 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 hop. Oh. Attends. Bim. Ouais j'ai amélioré spécial, je crois que celui-là il a amélioré à fond en plus. Donc en vrai, il est stylé. Hein. Ouh. Il veut pas crever là. Ah ça y est. Par contre comme il y a des ennemis qui sont morts en bas, je vais peut-être aller récupérer ce qu'ils ont lâché. Ouais, voilà, un petit peu d'argent, on dit pas non, on crache pas sur l'argent les amis. Non, non, non. Ok, on remonte, tiens, là aussi, franchement... Oh, bah il est où?
Bah, il est où? Vous le voyez? Bah, il y a un bug là. Ah, ça y est, je l'ai pris, j'ai entendu le son, donc c'est bon, c'est passé. Je pense qu'il était un peu dans la terre. Sinon, ça va, j'ai pas rencontré de bug. Je croise les doigts, mais j'ai pas eu de bug pour l'instant dans le jeu. C'est plutôt cool, il est plutôt bien fait. Fluide chimique. Waouh, ah ouais. Putain, c'est Hitchcock là, les corbeaux. Putain, il y a pas mal de barils explosifs. Je le sens mal. Ça va être la guerre, je le sens là. Comment est-ce que j'ouvre ça? Ouais, comment on va passer par là? Putain, tous ces oiseaux, c'est ouf. Putain, laisse-moi monter, j'ai envie de voir en haut, ça ressemble à quoi? Mission de sniper. Ah, pas une manivelle. Eh bah bien sûr. Eh bah bien sûr. Ah ouais. Ah puis elle met longtemps. Et puis il y a l'autre à. Il y a l'autre à. Putain, il y a du monde là. Oh putain. Oh putain. Non mais c'est chaud là. Eh, je vais crever. Soigne-toi vite. Ah, je peux pas passer. Eh, je peux pas passer là, vraiment. Eh, les gars, faut me laisser passer parce que. Ah, bah attendez, là, on va pas être copains. Hein. Oh, y'a du monde de ouf. Y'a du monde de ouf. Attendez, là, il faut qu'on passe aux choses sérieuses, c'est pas possible. Y'a trop de monde. Ah déjà je crois que le baril il a pas kiffé hein. T'as vu, je sais pas combien ils étaient mais en vrai le baril ils ont pas kiffé. Par contre j'ai plus de mun. J'ai plus de mun. Plus de mun de. Faut que j'aille ouvrir l'autre. Oh merde. Putain ils s'appellent les uns les autres là. Je crois qu'il faut que j'ouvre l'autre porte parce que ça se trouve ça va jamais s'arrêter. Attends, on va ouvrir l'autre porte parce que faut tirer les deux leviers, il me semble. Ouais. Mais ils sont super longs à s'ouvrir en plus. Donc, clairement. Merde. Attends, waouh, c'est la merde. Faut que je fasse des. Ouais. Aïe aïe aïe. Soigne-toi vite. Mais pas que parce que là, c'est chaud. Attends, je vais prendre quoi? Attends, je peux faire des balles de pompe. Hein. Ouais, je peux en refaire encore. Je peux refaire des balles de pompe. Je peux refaire des balles de pompe. Peut-être celui-là, du coup. Oh putain. Il marche au père. Ah, je suis tombé. Oh putain, il y a trop de monde là. Si je balance une petite grue, tu vois, ça va bien se passer. Par terre. Hop. Ah, oh là là. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce que je crois que là, j'ai plus de. Si, il me reste une. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud là. Putain, là. C'est bon? C'est quoi ce cri de ouf? On va essayer de tous les avoir hein, parce que bon. Quitte à se taper.
putain, par contre. On a bien eu au niveau des mines là. Ah ouais. Bon, ils sont où tous ceux qui ont pété là? Ah oui, il y en a là, il y en a là, parce qu'ils ont vraiment explosé, il y en a partout, je crois. Il y en a vraiment partout. Ah, c'était Tandax, hein. Putain, là, c'était vraiment la horde. Tu as la horde? On arrive dans le château. C'est sympa, vous me redonnez un peu de trucs. C'est cool les gars, parce que vous m'avez fait tout éclater là juste avant. Je suis à... Ah, petite machine de sauvegarde, j'avais même pas vu. Là comme ça, posé sur... Manquerait plus que le marchand en fait. Hein. Oh, c'est quoi cette salle là-bas? Il y a des bruits de ouf. Ah ouais, de toute façon c'est par là. Hein. Je vais pas pouvoir. Alors attends. Bouge pas parce que je sais pas ce que tu me réserves. Tac. Peut-être un peu de. Comment je peux faire? Ah, j'ai plus de grenade. Je vais peut-être faire une grenade. Bon, allez, c'est parti. On recharge un peu. Ah ouais, ça a l'air d'être le bordel là. Ouh là 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 là. Putain, ça va être sale. C'est sûrement leur repère. Ouais, on est dans le repère des licornes. C'est clairement le repère des licornes même. Hein. Oh, c'est bourrin. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment du bourrinage là. Clairement sur du bourrinage là. Ah, oh, c'est bon ça. Oh, quand la tête est pète. J'adore. On va recharger. J'ai plus que 3 balles. Hein. Plus que 3 balles. Bon, on apprend à d'autres armes, heureusement. C'est chaud. Putain, comme j'aime pas comment il s'approche. Oh. Ah non, bah quand il commence à... On va prendre le flingue, je vais un petit baril. On va essayer de se mettre là. Tout faire péter quand vous approchez. Oh, pop, 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 pop. Tac, je m'esquive un peu. On ramassera ce qu'il y a par terre plus tard. Allez, il m'a tapé par derrière cet enfoiré. T'as vu les petites esquives qu'il fait là? Oh, c'est chaud là. Lui, c'est bon. Aïe. Attends, là par contre, c'est chaud parce que j'ai plus de vie. Ouais, je peux en refaire. Ah, je peux en faire qu'un par contre. C'est chaud au niveau de la vie là. C'est chaud au niveau de la vie. Ils sont où? Ouais, faut. Putain, attends. Oh putain. Waouh. Oh merde. Ah ouais, là ça devient tendu par contre, les amis. Ça devient tendu parce que je peux même plus faire de. Ouais. Je peux même plus faire de vie. Je peux même plus concevoir de la vie. Merde. Oh, aïe aïe aïe, j'ai pas envie de crever. J'ai pas envie de crever, mais là, c'est tendu. Putain, c'est tendu même au niveau des munitions. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. En fait, à part des munitions de pistolet, j'ai rien là. Si, j'ai le magnum, mais j'ai pas utilisé le magnum quand même. Oh merde.
Oh putain, il m'a pété. Il m'a pété, il était derrière moi. Putain, il était derrière moi, l'enfoiré. Bon, ok, je suis mort. Comme une daube. Comme une daube. Va falloir faire plus gaffe, hein. Je pensais pas que c'était chaud comme ça, mais là, ils ont... leur repère. Allez, essaye de... Oh. Pas d'accord. En même temps, si je tire à côté, c'est chaud. Oh merde. Oh merde. Ça commence bien. Essayez de les... Oh là là. Ah, mais ils sont partout. C'est le bordel. J'ai plus de balles, déjà. Attends, là ça mérite bien une petite grenade. Hein. C'est vrai que j'ai lance-grenade aussi. Hein. Tac. Tac. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on s'est un peu mieux débrouillé? J'ai l'impression parce qu'on a récupéré du fuite chimique. Donc déjà c'est pas mal. C'est pas la folie mais... Putain, il y en a encore hein. Il y en a derrière moi je crois. Ah ouais, pas qu'un même. Putain, ils sont énervés. Ah ouais, ils sont énervés là. Ah ouais, mais là, attends. Oh, ça suffit. Lance-grenade. Bim. Ah bah oui, là, on est obligé. Attends, j'ai même plus de... Faut que je fasse des balles, faut que je fasse ça. Là, je vais refaire un fluide. Ah ouais, là, c'est pareil, c'est... Attends, il me reste des... Tellement d'ennemis, on n'a pas l'habitude. C'est vrai. Ouais, je ramasse tout. Comme un gros crevard, tu vois. Je ramasse tout, tout, tout. Putain, il y en a derrière moi, mais non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Fabrifier des munitions, bah ouais, j'aimerais bien. Il faut régler ça, peut-être un peu de ça. Oh, c'est chaud. Attends, on n'a pas une petite mine là, parce que, en fait. En vrai, je te colle une mine. Ça te sentir pas bien, tu vois. Ah ouais, sauf si je me la pète moi-même. Tac. Voilà. Putain, ils sont pas morts. Hein. Ils sont pas morts, les mecs. Une plante. Ça c'est cool. Il y en a encore ? Ah mais vous êtes des grands malades. Ils en envoient. Ça s'arrête jamais. C'est quoi là ? Il y en a encore. Hein. Encore là-haut. Là. Ah j'ai plus de balles. Oh là là, c'est la guerre. Aïe. Oh les gars, pourtant j'ai essayé de me protéger mais... Trop lent. Fuite chimique, ultra important pour faire des... Mais est-ce que ça va s'arrêter ou pas, tu vois. À un moment donné. J'ai pas l'impression. Elles sont les munitions. Elles sont là. Peut-être faut se barrer en fait, hein. Ça se trouve faut... Ah non, il y a juste une petite tyrolienne, tu vois. Oh. Une tyrolienne. Souvent, en vrai, faut fuir. En vrai. Oh le
bordel. Il y a des archers. Hop 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 hop. Oh, ce bordel. Lui, l'archer là. Oh merde. Mais non. Ils mettent le pire pour la fin. Vous pouvez pas me faire ça. Je sais pas si ça leur fait mal ça. En fait. Aveuglante. Putain mais j'ai plus de mission les mecs, sérieux. On peut faire ça. Peut-être ça un peu. Je vais leur mettre des greux hein. Et des mines. Et ça. Tac. Attends, tac. Et là, je vais poser des mines partout. Ah, on est obligé d'être un peu stratégique parce que... Comme ils sont obligés de passer par là, de toute façon. Hop. Ils sont obligés de passer par là. Oh là là, ça devient chaud là. Ah, je suis désolé pour les retours menu là, mais Attends, je vais essayer de mettre là. Moi, je suis tombé. C'est pas grave. C'est pas très grave. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on les a eus? J'ai l'impression, la musique se calme. Waouh. Eh bah dis donc, ça promet. Ça promet grave. Hein. Et par contre, je suis en galère. Hein. J'ai tout utilisé. Ok, nouvelle salle. On progresse. La poudre noire, vous êtes bien sympa, monsieur. Je suis pas sûr que ça suffise, mais bon. C'est toujours ça de prix, hein, comme on dit. Vous voyez bien, j'ai une balle en bas à droite de pompe. Quand on croit que c'est fini, c'est pas fini. Non, 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 j'ai entendu des cris. Oula. Ah ouais, j'ai même entendu plus qu'un cri, là, c'est... C'est quoi ce bordel? Grenade explosive. Ok, c'est tout ce que je peux fabriquer. Non mais regardez, munitions de pistolet, j'ai plus rien en vrai. J'ai plus grand chose du tout. Ça, on va essayer de se mettre un petit raccourci là-haut. Ça, bah ouais. On va mettre les munitions... j'ai que deux munitions de lance-grenade. Hein. Attends, je suis par où là? Non, c'est pas par là, hein, c'était... Ah bah vas-y, continue. Hein. Continue. On les entend, ils sont... Ah, ils sont là, regarde. Ah, ils sont en train de bouffer des corps. Dégueulasse. Ouhouhou. Ah mais c'était là qu'on était au début du jeu là quand on s'est fait courser par par Heisenberg. Ah merci pour tout ça. Alors les ordres du roi sont arrivés, nous devons nous replier. C'est rageant de devoir abandonner la forteresse frontalière à ses hérétiques. Si seulement nous avions un peu plus de temps, je suis sûr que nous pourrions renverser le cours de la bataille. Non, inutile de me mentir à moi-même, c'est ma curiosité qui me lie à cet endroit. Il y a dans les environs un certain nombre de vestiges dont les locaux disent qu'ils sont très anciens. Quatre statues immenses qui entourent les lieux de cérémonie. Une grotte avec des symboles taillés dans la roche. Et pour finir, une sorte de piédestal de pierre qui s'appelle le calice des géants. D'où viennent ceux qui sont à l'origine et que... Leur est-il arrivé? C'est un déchirement de devoir abandonner cet endroit sans avoir de réponse à ces questions. Alors, on a une petite sauvegarde ici. On va sauvegarder, on va créer un nouvel emplacement. Tiens, on va pas se prendre la tête. Et on va avancer dans cet endroit complètement lugubre.
Ok, bah écoute. Wow. Oh! C'est notre ami. Notre ami qui nous avait déglingué au début là. Putain, c'est. Alors à part ici c'est. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça bien. Waouh. Ah ouais. Ah, oh putain. J'ai l'impression que j'étais derrière le poteau, mais pas du tout en fait. Waouh. Ah ouais. Il est dur à esquiver lui. Est-ce qu'on peut claquer un peu peut-être des... Un peu de... Tu vois... Merde. Ah ouais, non, j'ai rien. Oh putain! Il appelle des loups là. Il appelle des loups. Il appelle des loups. Et j'ai plus de balles en fait, si je résume, en gros. J'ai plus de balles en fait. Je crois que j'ai plus de balles. Non mais je te jure, j'ai vraiment plus de balles en plus. C'est mort. Pompe, c'est mort. J'ai plus rien en fait. J'ai des trucs aveuglants, mais non, j'ai plus que le fusil. Là, je crois que c'est chaud. On manque des trucs par terre. Puis de chimie, quoi, mais ça va pas m'aider. Une munition de fusil. Oh putain, il me balance des rochers. Il me balance des. Oh là. Aïe aïe aïe. Il a mal quand même. Hein. Il a mal quand même. Hein. De rien. J'essaie de claquer au fusil parce que bon. Waouh. Ah ouais. Ah, il m'a fait mal aussi. Hein. Moi aussi j'ai mal. Hein. Moi aussi j'ai mal. Hein. Enfin, il va m'envoyer un rocher, cet enfoiré. Il faut se barrer par là. Hein. Clairement. Waouh. Relou quand il appelle les loups. Ça chaud. Hop hop hop, cours cours cours. On a de la ferraille, on a des trucs, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des grenades explosives. Putain, merde, par contre, grenades explosives, ouais, c'est cool, mais... Ah merde, c'est pas ça. C'est ça, les grenades explosives. Bim. Il recharge pas tout seul, par contre. Bim. Oh là là, ce que je lui mets dans la tronche. Ah, il a pas été. Il s'en fout. Hein. Ah, il s'en fout, j'ai quoi? J'ai plus rien. J'ai le magnum, vas-y, on va lui taper le magnum. Oh, même deux magnum, ça lui fait rien. Non, pourtant, magnum, c'est balèze. Ah, ça y est. Oh, ça y est. Plus dur sera la chute. Ça, c'est le nom du trophée que je viens de choper. Grand marteau cristallisé. Ah ouais, va chier, c'est clair. Putain, il était chaud lui. Ah, c'était le mec du début qui nous a. Ah, il y avait des balles ici. Il y avait des balles ici. Bon, bah tant pis. Bon, bah merci le. Ah, il y avait des balles ici. Bon, bah voilà.
Bah, si vous voyez ce let's play et que vous n'avez pas encore fait le jeu, sachez qu'il y a des balles sur les côtés. Faites pas comme moi. À galérer. Mais bon, au final, merci le McDonald's. Putain, il me reste plus qu'une balle. C'était chaud, patate. Waouh. D'ailleurs, on a reçu. Je vais vous montrer quand même. On a reçu le. C'est pas le crâne, c'est. C'est la hache cristallisée. Non, c'était le marteau. Il est ouf, il est stylé. Hein. Le marteau avec son corps autour, énorme. Là, c'est des diamants. Ah ouais, c'est diamant. Ah ouais, c'est ouf. Donc du coup, ah ouais, tu peux choper là les diamants là. Dingue, diamant quartz, diamant. Il y en a partout. Non, il n'y en a pas partout quand même. Ah si, il y en a là-haut. Mais non. C'est énorme. Il y en a là aussi. Truc de ouf. Vivianite. Ah ouais, c'est la salle des cristaux. Vraiment. Je regarde si j'en ai pas oublié, mais. Ça brille tellement partout. Il y en a un là. Incroyable. C'est ouf. Je regarde de l'autre côté peut-être. Je crois que c'est bon. Putain, tous les diamants qu'on a récupérés, c'est ouf. Allez, on a tué ce gros boss. Il était chaud, hein, lui aussi. Hein. Il m'a rappelé le mec dans la Syrie un peu. Hein. Ah ouais. Il est tendu. Hein. Tac, munitions de fusil, machin, machin. Oh. On a récupéré le. Oh, c'est quoi cette vision? Quel spectacle, Ethan! Bien joué! Pas la peine de te gâcher. Toi, je te jure que je vais t'avoir. Détends-toi! Encore un petit effort et c'est terminé. Je vais t'aider. Alors, en échange. En échange, tu veux quoi? D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel et je suis sûr que tu sauras quoi faire. À très vite, Ethan. Ah, c'est ouf. Hein. Ah, je sais pas ce qu'il veut apporter les bocaux à l'hôtel. Ouais, donc là, c'est bon, on a récupéré le dernier bocal. Donc il nous l'a laissé en fait, Heisenberg. Mais c'est chelou parce que. Il veut nous aider, mais on sait très bien qu'il va nous la faire. On sait très bien qu'il va nous la faire à l'envers. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est chelou qu'il veuille nous aider. Mais comme ça a l'air d'être le plus humain de tous, même s'il a des pouvoirs un peu à la Magneto, hein, je vous rappelle qu'il contrôle le. Le mec contrôle quand même le métal. Hein. Le plat de Guglielmo. C'est quoi? Le plat de Guglielmo. Un plat antique de Guglielmo, l'un des quatre fondateurs. Ok. Les quatre fondateurs, ouais. Je pense que les quatre fondateurs, ils étaient pas comme ça à la base quand même. Ah, une petite barque, bah écoute, on va la prendre. Hein. Tac, allez, c'est parti. Donc là, rendez-vous. C'est bizarre ça. Rendez-vous à l'hôtel, on va déposer le dernier bocal. Je suis surpris qu'on l'ait récupéré comme ça, mais je pensais qu'on l'aurait une fois que Heisenberg serait mort, donc c'est cool parce qu'on l'a récupéré. Enfin, c'est un peu. C'est pas linéaire quoi, tu vois, le jeu arrive à me surprendre, donc ça je trouve ça super cool. Je me suis dit on va se taper contre Heisenberg, voilà le truc classique. Donc là on peut remonter, on va arriver là, et sinon on peut descendre ici. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je sais pas du tout. Hein. Attends, on voit rien en plus. Y a pas un trésor, un truc comme ça. Un peu d'argent, ouais, ok. Fluide chimique, alors ça. Photo d'un mystérieux poisson. Poisson jaune. Ça c'est le poisson, bah ça c'est cool parce qu'on a besoin d'une recette comme ça.
Un poisson un peu haut de gamme, là, je sais plus comment ils appellent ça. Poisson de qualité. Poisson de qualité pour créer ça, donc. Faut regarder où il est, mais photo d'un poisson. Ouais, on voit qu'il y a une barque. Ouais, je vois. Ouais, donc c'est du côté de chez Moro, ça, je pense. Où il y a de l'eau et tout. Et ça. Opération d'implantation du Cadou, sujet 174 à 180. Mihai M, homme 21 ans, orfèvre, antécédent de ptonomie, faible affinité, le Cadou ne s'est pas développé, transformation corporelle, baisse de cognition, un autre Lican. Relâché dans la nature, Bernadette, décès. Alkina. Ah bah ça c'est Dimitriscu, donc là c'est Lady Dimitriscu, c'est le sujet qui a, en fait elle s'est fait, elle était pas comme ça à la base en fait, ils lui ont, ok, ils lui ont injecté le cadeau, elle est devenue comme ça, femme de 44 ans, descendant d'une famille d'aristocrates, n'est pas de ce village, maladie du sang héréditaire, affinité très élevée, aucune perte de ses facultés cognitives peut contrôler les transformations de son corps, application de la procédure de contrôle cognitif en les renvoie en observation. Ouais mais tout ça c'est des expériences, tout ça c'est des expériences d'Umbrella en vrai, hein, je pense. Donc je sais pas ce que Chris Redfield vient faire dans tout ça. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de. Oula! Quelqu'un qui est en train de faire des expériences. Je pense que c'est peut-être Mère Miranda hein, en vrai. Un peu de balles récupérées. Déjà la merde. Bim. Et voilà, c'est bon. Allez, c'est bon. Ah, c'était marrant de savoir que en fait, elle était pas comme ça. Elle-même, c'était un sujet en fait. Et ensuite, elle-même a donné naissance à ses filles, parce qu'on a vu que c'est elle qui les a créées avec la bébête là. En fait, toute l'histoire, ça vient du cadou, en fait. Le cadou, c'est le bébé un peu difforme qu'on a vu chez... Ah, on arrive là, ok. Le bébé un peu difforme qu'on a vu chez Moro. Enfin, le bébé. Le fœtus. Tout vient de là, en vrai. Tout vient de là. Est-ce qu'on a récupéré le trésor? Ouais. Ah, on a les trésors de... Putain, on a eu quasiment tous les trésors. Hein. Il manque celui-là. Alors, apparemment, celui-ci... C'est. Je pourrais pas l'avoir. Attends, déjà. Je vais me faire un peu de vie parce qu'on voit un peu rouge. C'est un peu dégueulasse. Voilà. Donc, malheureusement, le trésor, je pourrais pas l'avoir parce que, en fait, c'est ici. Il faut. En fait, c'est pas des fleurs qu'il faut mettre sur la tombe de Beneviento là. C'est cet objet de stèle. Tu vois, c'est écrit Claude. Et en fait, c'est Claudia Beneviento. Mais ça, cette porte là, tu vois, y a pas de clé, y a rien. En fait, elle s'ouvre apparemment au début du jeu. Si tu tues tous les monstres de la zone, je sais pas quoi, il y a des zombies, bah en fait la porte elle s'ouvre comme ça. Mais genre, bah, c'est un peu... C'est dommage parce que du coup, enfin, je peux même pas l'avoir en fait. Il te laisse aucune possibilité de l'ouvrir cette porte, ni avec une clé, ni rien. Genre si t'as... Bah, si tu l'as pas fait au début du jeu, c'est mort. Voilà, c'est assez râpé, tu pourras pas avoir la stèle et du coup aller chercher le trésor. Alors j'ai gardé le trésor, c'est juste en fait une... Bon, c'est juste c'est un truc que tu peux du coup que tu peux vendre, tu vois. C'est un grand plaisir de vous voir revenir vivant. Ben oui, je le sais bien. Voilà. Bon, ben, on va vendre nos petits trucs. Hop, fragment de cristal, on en a 4. Amas de cristaux, vivianite. Je regarde des trucs qu'on peut. Combiné maintenant, la 10 000 le quartz jaune, c'est dans la salle. Ça, 10 000, 35 000 le. C'est un truc de ouf. La hache aussi, on va être blindé. Déçu vraiment? Ah ça ouais, me paraît 127 000. Honnête. Et B. Putain, on peut même pas racheter des balles de flingue. C'est un truc de ouf. C'est abusé. Du coup, je vais racheter des trucs comme ça. Des bombes, je peux même pas racheter de la vie, des flingues, rien du tout quoi. Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Augmente la vie, il manque du gibier, ça c'est dommage. De la viande, j'en ai, volaille c'est bon. Ouais.
Et ça, je peux faire réduire grandement les dégâts si vous protégez, augmente votre vitesse de déplacement. Ah, je peux faire ça. Ah non, je peux pas, il en faut 6. Mais poisson, je sais en trouver. Donc ça, on pourra faire ça au pire. Et augmente votre vie. 3. Ah, il manque juste du poisson aussi. Et je pourrais faire ça aussi. Ouais, je vais faire ça. Ok. Eh Manger, bah, c'est nickel, les amis. Bah, écoutez, on va revenez quand s'arrêter vous là. Dans voulez. le prochain épisode, on va mettre le dernier bocal dans cette stèle. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il y a Heisenberg qui va nous faire un truc, en tout cas. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne. Ça me fera super plaisir. Ça aidera la chaîne. Et voilà, ça motivera à continuer, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt dans le prochain épisode. J'ai très hâte de continuer. Ciao, ciao.